Je m'appelle Cédric Darzac, je suis conseiller relations culture chez Maïs Adour depuis 2002. Et depuis 2017, je suis sur Mugron, donc dans la Chalosse, où j'encadre donc environ 90 adhérents. Bonjour, Julien Lanuc, agriculteur à Laos, installé en ERL familial, donc avec mon père et mon oncle. Donc sur l'exploitation, on fait des vaches laitières. Et ensuite, on élève des canards. On fait aussi de la culture de vente qu'on commercialise avec Maïs Adour. Donc en 2017, lorsque je suis arrivé sur le secteur, Julien travaillait déjà avec mon prédécesseur. Et voilà, j'ai pris la suite et aujourd'hui, donc, on travaille ensemble. Le rôle des conseillers, donc, il a plusieurs missions. Avec Julien, donc, pendant deux rendez-vous hivernaux, nous avons tout d'abord fait un bilan de l'année passée. Ensuite, l'autre mission est le suivi des parcelles, les tours de plaine, où nous avons donc bien sûr comme mission d'être là en appui technique, appui agronomique auprès de nos adhérents. C'est un rôle de relais qu'il y a entre la coopérative et l'adhérent. Alors Cédric sert de liant avec la coopérative Maïs Adour et moi-même, parce que je n'ai pas le temps de me tenir informé de tout ce que fait la coopérative. Par exemple, sur l'exploitation, on a un projet, on a passer des cultures en bio et donc Cédric va me conseiller sur des futures cultures que l'on pourrait faire pour chercher de meilleures valeurs ajoutées pour nous. Il faut savoir que la relation entre l'adhérent et son technicien, c'est une relation continue. On a des contacts réguliers tout au long de l'année. Donc avec Cédric, on a une relation de confiance, que ce soit sur l'aspect humain ou pour le travail des cultures. La relation entre le technicien et l'adhérent va au-delà du professionnel. Il faut savoir que quand on arrive, j'arrive chez Julien, mais le matin donc on boit le café, on parle des loisirs, on parle de toute autre chose avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet et de parler vraiment professionnel. Qu'est-ce que vous attendez maintenant pour nous rejoindre? Maintenant qu'on vous a expliqué notre relation professionnelle avec Julien, qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre notre coopérative Maïs Adour?